À l'âge de 8 ans, on m'a forcé à faire du piano. Alors que tout ce que je voulais, c'était faire de la danse classique. Tous les plus grands génies sont issus de familles de musiciens. Léopold Mozart forçait son fils Wolfgang à jouer du clavecin, les yeux bandés. Johann van Beethoven obligeait son fils Ludwig à jouer de l'orgue toute la journée, à tel point qu'il en est devenu sourd. Joe Jackson battait Michael jusqu'à lui en casser le nez. Mon père était chauffeur de bus. Mais tous les dimanches matins, il nettoyait son aquarium. En fait, il nettoyait ses aquariums. Il y en avait deux, dans la cuisine et un dans le salon, ce qui fait que le nettoyage durait. Et il nous passait en boucle ce qui, pour lui, représentait la quintessence de la musique du XXe siècle. De 7h à midi, la même chanson. Pour toi, papa.
pour Mike Brandt. Après le rituel du dimanche matin, vient le rituel du dimanche midi. Maman joue de la mandoline. Tomate et concombre. Elle joue aussi du piano. Celui sur lequel elle fait danser sa batterie de cuisine et chanter les échalotes. En ouverture, le premier apéritif avec des cacahuètes. Deuxième mouvement avec des verrines. Troisième mouvement, le menuet avec des tifos. (14h30) Levée de rideau. L'entrée froide. Des œufs en gelée. Puis l'entrée chaude. Des croissants au jambon avec de la béchamel. Plein feu sur le plat. Un rôti avec ses galettes de pommes de terre et ses petits légumes verts. (16h30) La cloche à fromage sonne le requiem de cette grande scène. Et on s'enivre d'un dernier verre de vin et de toutes ces musiques qui, le dimanche, nous envahissent. Le dessert. La farandole de dessert. Un fraisier. Une tarte aux pommes. Du pudding. Puis le café avec son spéculoos. Puis le pouce café. Cognac. Ou calva. Ou les deux. (17h30) précise. Le point d'orgue du dimanche en famille. C'est l'heure du feuilleton du dimanche.
conservatoire. On fait des expériences. On partage des expériences. La mer. Alors, nous sommes réunis cet après-midi, en ce dimanche, tous ensemble pour exécuter une œuvre de musique contemporaine, une symphonie figurative à caractère maritime, directement ici du Fluxus. Tout le monde sait ce que c'est que le Fluxus ? Je répète pour ceux qui ont oublié. Le Fluxus, c'est un mouvement d'art contemporain, plus particulièrement de musique contemporaine, qui est apparu dans les années 70, dont les fers de lance étaient John Cage, Yoko Ono. Et si vous voulez, il n'y a plus de frontières dans le Fluxus. Voilà, tout le monde est artiste du Fluxus. Il n'y a plus de frontières entre la salle, la scène, le public, les musiciens. Tout le monde est artiste du Fluxus. Donc, quand je dis la mer, vous êtes la mer, vous faites la mer. Non. Pourtant, de ma carrière de musicien, nous sommes à peu près pas loin de 300 représentations de ce spectacle. Géographiquement, jamais, jamais, je n'ai joué si près de la mer. Et pourtant, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air de savoir ce que c'est. Vous savez, parce que pour nous, les gens du Nord, la mer, évidemment, c'est Dunkerque, c'est Boulogne, c'est Brédune. Vous connaissez Brédune ? C'est très joli. Alors s'il vous plaît, faites-moi une belle mer du Nord. Chut ! J'ai pas fait signe. C'est bien qu'il y ait des bonnes volontés. Mais vous savez, dans un orchestre, il y a une hiérarchie. Hein. Voilà, on n'a jamais vu le clarinettiste aller jouer la partition du tubiste, ni le percussionniste jouer la partition de la flûtiste. Voilà, donc, vous savez, la mer est uniquement la mer. Pas les mouettes, tout ça. La mer est uniquement la mer. Oui, alors quand je ferme le poing, vous vous arrêtez. On m'avait dit, tu verras à Dunkerque, je vois. Alors, quand je ferme le poing, vous vous arrêtez tout de suite. Ah oui, la musique contemporaine, ça demande de la discipline, hein. Non, tout de suite. Je vais m'asseoir. Non, tout de suite. Regardez bien le... Très bien. Les mouettes. Non, j'ai pas fait signe. Non, non, madame, ne riez pas, madame, enfin, c'est très sérieux ce qu'on fait. Vous savez ce qu'on fait là, c'est du John Cage, c'est du Fluxus, hein. Tout le monde connaît John Cage. On en apprend des trucs en musicologie. John Cage, c'est un compositeur de musique contemporaine qui a beaucoup cherché. Qui
qui a un peu trouvé, dont l'œuvre, alors peut-être pas la plus magistrale, mais la plus connue, s'intitule 4 minutes 33. Et c'est une pièce pour piano. Fermée. Et c'est vrai, vous n'imaginez même pas tout ce qui peut se passer en 4 minutes 33 de silence. Des rires nerveux. D'appareil photo. Vous savez qu'en ce moment, c'est pas trop la mode, hein. Écoutez, vous avez vu, hein, pas facile d'écouter le silence. On peut même entendre la ventilation. Et bien, vous voyez, pour John Cage, la musique, c'est aussi ça. C'est le hasard, le chaos. Donc j'ai envie de dire, chacun sa mouette. J'ai pas fermé le point, hein. Non, quand je ferme le point, vous arrêtez. On va pas faire comme avec les autres. Très bien. La dernière rangée. Le fond, là. Les sirènes. John Cage aurait dit chacun sa sirène. Mais c'est vrai que dans une symphonie figurative à caractère maritime, bon, quand j'entends sirène, ce serait plus celle d'un paquebot qui rentrerait au port de Dunkerque. Vous voyez, un truc un peu... Vous savez quoi, on va même ajouter les deux premiers rangs pour les sirènes. Très bien. Les deux premiers rangs, ceux qui ont payé cher, là. Attention. Les sirènes. Bon, très bien. Je vois que j'ai affaire à un public de néophytes. Pour simplifier, on va utiliser la technique du sound painting. Tout le monde sait ce que c'est que le sound painting. Je répète pour ceux qui auraient oublié, on en apprend des trucs en pianistologie. Le sound painting, si vous voulez, c'est une technique de direction d'orchestre qui est apparue aussi dans les années 70, inventée par Walter Thompson. Et les musiciens, les instrumentistes, les artistes de l'œuvre interprètent à leur manière les signaux du chef. Je vous montre. Si je leur demande de faire une note longue, le signal c'est ça. Je peux leur demander de faire une note courte, le signal c'est ça. Et il y a aussi d'autres signaux, comme la technique étendue. Le signal, c'est ça. Ils vont jouer de leur instrument de n'importe quelle manière, sauf d'une façon normale. La shape line. Le signal, c'est ça. Ils vont faire exactement ce qu'ils veulent en fonction de mes signaux. Painting. Donc,
pour la mer, ce sera... Les mouettes. Très bien. Nous allons pouvoir commencer. Symphonie figurative pour piano, orchestre d'harmonie, cuillère à soupe. Et public non averti. La mer. Non, c'est le titre. J'ai pas fait le... La mer. Le long des golfes clairs. Belle île en mer, Marie Galant, moins Saint-Vincent. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris. C'était un mardi. Jours sans voir la terre. 35 jours de galère. Et de nuit pour se vider. Cargo de nuit. Cargo de suie. Cargo d'ennui. Cargo de suie. Et cette machine dans ma tête. Faites la machine. N'importe quoi, faites la machine. La machine. Faites la machine. Et cette machine dans ma tête. Machine sourdée. Tempête. Faites la tempête. 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 À des reflets changeants sous la pluie. Ça va pas, on a jamais vu un orchestre s'applaudir. Bon, écoutez, on va faire un truc simple. La mer, vous vous levez. La mer, vous vous levez. Allez. Voilà. Voilà, vous faites un quart de tour. La mer, vous vous levez, j'ai dit. Allez. Faites un quart de tour sur votre droite. Voilà. Et vous saluez. Très bien. Maintenant, les mouettes, vous vous levez. Vous faites un quart de tour sur votre gauche. Non, c'est l'autre côté, madame. Et vous saluez. Très bien. Maintenant, l'orchestre, vous vous levez. Et vous saluez.
Et maintenant, je vais vous demander une ovation pour nos solistes, les sirènes. Allez, les sirènes, debout, on salue. Allez, demi-tour. Allez-y, kiffez, les sirènes. Demi-tour. Et vous saluez. Merci. Voilà, et maintenant, et seulement maintenant, vous pouvez applaudir le chef d'orchestre. Vous pouvez applaudir le chef d'orchestre. La musique contemporaine. On en apprend des conneries au conservatoire. Bah pas des conneries, c'est vachement bien. Mais avouez que c'est quand même bizarre. Si vous voulez devenir pianiste, il faut connaître John Cage. Il faut connaître le Fluxus. Il faut connaître le dodécaphonisme. Vous savez ce que c'est le dodécaphonisme ? Je répète pour ceux qui ont oublié. Le dodécaphonisme, c'est un truc super. On n'a pas le droit de jouer une note tant qu'on n'a pas joué toutes les autres. Il y a même un compositeur, Gheorghe Ligeti, qui a composé un poème symphonique pour 100 métronomes. Bon, là, il n'y en a qu'un, on se prend pas bien compte. Attendez. Voilà, c'est vrai que, évidemment, au conservatoire, on vous apprend pas quelques trucs un peu essentiels de la vie, comme par exemple savoir jouer 3 accords de guitare pour draguer les filles sur la plage. Ouais, sans déconner, quand t'es pianiste, c'est pas pratique. Et puis on vous fait faire des exercices. Des gammes. Pour pouvoir faire enfin un jour des préludes de Frédéric Chopin. Des sonates de Ludwig van Beethoven. D'autres préludes de Jean-Sébastien Bach. De travail, je progresse, je prends de l'assurance. Et j'explore le panthéon des grands compositeurs. Ça, c'est Dimitri Shostakovich. Sergueï Rachmaninov. Ma voix est toute tracée. Je vais devenir concertiste. Alors je bosse, et encore et toujours Chopin. Et encore et toujours Beethoven. Et encore et toujours Bach. Jusqu'au jour où à l'âge de 16 ans
professeur de piano, mon maître à penser, mon père spirituel, me pose cette question apparemment anodine. Mon petit Simon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pas pianiste quand même. Sérieusement. Huit ans de travail acharné pour espérer faire partie d'une élite. Et tu comprends que toutes ces belles notes de musique te sont interdites. Je repense à mon premier piano. Un Casio Velton. Ou VL1, selon le pays d'exportation. Cet instrument a révolutionné la musique. Eh oui, parce que c'est le premier synthétiseur de l'histoire à avoir été fabriqué pour les enfants. Et l'argument ultime de vente de Casio à l'époque, c'est qu'il peut également faire calculatrice. C'est pas un piano comme on veut faire. C'est une calculatrice. Ok, on est en 1997, j'ai 16 ans, on est par là. Si je peux pas jouer du Chopin, je peux jouer du Alliage. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Ou du Moram. Quand j'entends ce prélude de Bach. Céline Dion. When I was young, I never made in anyone. And making love was just for fun. So stay at à partir du moment où tout le monde confond Procolarum avec l'Ariane Bach, on peut faire ce qu'on veut. On pourrait même écrire un poème symphonique pour calculatrice. Il n'y a que 12 notes, il faut se les partager. J'ai 16 ans, 12 notes. Et une calculatrice. Qu'est-ce que je peux en faire ? Ou plutôt, qu'est-ce que MacGyver en aurait fait ? Ich lieb dich, mich, du liebst mich nicht.
Refrain. Da da da. Éventuellement, on se souvient du titre, mais jamais du compositeur. Ça, là, par exemple. Levez la main ceux qui connaissent le nom du compositeur. Pardon ? The Girl of Fishmanisha ? C'est une version du titre, oui. The Girl from Ipanema. Effectivement, c'est le titre, mais j'ai demandé le nom du compositeur. Pardon ? J'ai entendu ? Jobin, Antonio Carlos Jobin. Bravo! Vous vous rendez compte? Ce mec a composé la musique officielle des ascenseurs Otis. Et vous n'êtes que un à se souvenir de son nom. C'est un standard. Allez, un autre standard. «
Les feuilles mortes, The Autumn Leaves. À votre avis, qui a composé les feuilles mortes? Ouais, et son prénom à Cosma? C'est Joseph Cosma qui a composé les feuilles mortes. Eh ouais, vous vous rendez compte? Un des standards les plus joués, une des plus belles pages de l'histoire de la musique, et tout le monde se souvient de l'autre qui a fait la chèvre. Allez, un autre standard. Alors ça, c'est... C'est si bon, merci. Alors à votre avis, qui a composé C'est si bon? Non, ça n'est pas Mireille. Allez, un indice, il est belge. Non, c'est pas Jacques Brel, c'est pas Plastic Bertrand, c'est pas Adamo, c'est pas Morane, c'est pas Annie Cordy, c'est pas Johnny Hallyday. C'est Henri Betti. Bravo. Vous vous rendez compte? Un des standards les plus joués, un des 45 tours les plus vendus de l'histoire, et tout le monde, par mademoiselle, a oublié son nom. Mais on s'en fout! C'est ça qui est bien avec les standards, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils appartiennent à tout le monde. Tout le monde. Vous, 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 toi, toi, moi. Voilà, celui-là, par exemple. Chorale municipale de Dunkerque qui est venue. Merci, c'est sympa. Someday my prince will come. Un jour mon prince viendra. Ce standard de jazz a été joué par les plus grands. Ça a été joué par Michel Petrucciani. Ça a été joué par Miles Davis. Il y a un album de John Coltrane qui s'appelle Someday my prince will come. Ça vient d'être joué par le Simon Fage Trio. Et ce standard de jazz est directement issu d'un générique de dessin animé de Walt Disney. Blanche-Neige. Et comme les standards appartiennent à tout le monde, chacun peut se raconter sa propre histoire. Il était une fois. Il y a bien longtemps, dans un château fort fort lointain, une reine qui se désolait de ne pouvoir avoir d'enfant. Un soir d'hiver, alors qu'elle cousait assise au bord d'une fenêtre au cadre d'ébène, elle se piqua le doigt. Et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Elle se dit « Ah !» Je serais vraiment la plus heureuse. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une petite fille en tout point comme elle avait désiré et lui donna le joli sobriquet de Blanche-Neige. Et quelques temps après l'accouchement, elle meurt. Le roi, qui ne pouvait rester célibataire de par sa condition de roi, prit une nouvelle épouse. Vite. Très vite. Certains diront trop vite. La nouvelle reine
je la pète un peu. La nouvelle reine possédait un miroir magique. Et tous les soirs, elle descendait à sa cave et demandait à son miroir: « Au miroir, mon beau miroir. » Et celui-ci lui répondait: Makevaren, tu es vraiment très très jolie. Tu es vraiment la plus belle de tout le royaume. Tu es vraiment magnifique. Oh oui, ma reine, c'est toi la plus belle. Oh, magnifique. Bon, le temps passe, hein. Blanche-Neige a 16 ans, la majorité sexuelle, l'âge de se marier. Si bien qu'un soir, la reine... Ouais, bon, elle se la pète un peu. Elle descend à sa cave et demande à son miroir: « Au miroir, mon beau miroir. » Et celui-ci lui répond: « Maquée ma reine, tu es vraiment très très gentil. Ta beauté intérieure est vraiment magnifique. Mais tu sais, ma reine, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et... comment dire? C'est drôle ce que c'est drôle à regarder. Avec tes pas qui roulent sur les chevilles. Ben... tu te laisses aller. Et puis, faut être honnête, hein. On n'a pas toujours 20 ans. Et surtout, il y a... Biancaneve. Ça veut dire Blanche-Neige en italien, hein. Biancaneve, maintenant qu'elle a 16 ans, elle est quand même très... Bon, Biancaneve, elle est un petit peu... En fait, Biancaneve, c'est ça. La reine, furieuse, décide de tuer Blanche-Neige. Garde! Garde de chasse! Ouais, bon, elle se la pète un peu. Elle appelle son garde-chasse qui, comme tout bon chasseur, est vêtu d'un pantalon de treillis vert, d'une veste de treillis verte, d'une casquette de treillis verte et d'un nez... rouge. Votre Majesté, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu es Blanche-Neige. Et ramener quoi? Son cœur? C'est dégueulasse. Le garde-chasse emmène Blanche-Neige dans la forêt, mais au moment de passer à l'acte. Blanche-Neige? Oui, Steven? Ça va, il s'appelle Steven, c'est pas de sa faute. La reine m'a dit de te tuer. Oh, Steven! Mais c'est affreux! Alors, casse-toi, je me démerde. Oh, merci Steven, tu m'enlèves vraiment une fière chandelle du pied. Le garde-chasse rentre au château et ramène à la reine, en guise de preuve, le cœur d'un porc. Oui, alors c'est parce que je travaille sur la version anglaise du conte. Hein. Et pour les anglais, c'est pas une biche, pour les anglais, c'est un porc. Hein, un porc dans la forêt.
un porc dans la forêt. Non, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça a une importance gastronomique considérable. Parce que ce que Disney ne nous dit pas, c'est que la reine, pensant que c'est le cœur de sa presque fille, elle le prend, elle le bouffe. Oh, bon appétit, bien sûr. Oui. Il y a quelqu'un? Oh, une petite maison. Je vais m'y abriter. La porte était ouverte. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Oh, mais à qui appartient cette maison? Oh! C'était la maison des nains. Les nains, ces valeureux travailleurs qui rentrent de la mine en claquant leurs pattes sur le pavé et en chantant tous en chœur. Oui, les frères Grimm étaient allemands, hein. D'ailleurs, savez-vous que, selon un sondage, il n'y a que 3 personnes sur 100 qui sont capables de citer les 7 nains. Ce soir, on est... 1, 2, 3... Je retiens 2... Je ne sais pas, on est 1506... Oh, on devrait pouvoir y arriver. Attention, mesdames et messieurs, les mains sur le buzzer. Les mains sur le buzzer. Vous aussi. Eh, c'est pas parce que vous avez payé une fortune pour être au premier rang que... Les mains sur le buzzer, attention. Question pour une personne de petite taille. Premier nain. Top. Prof, et pourquoi? Parce que adieu, monsieur le professeur, bravo. Deuxième nain. Joyeux parce que... Parce qu'il y a la joie, bravo! Troisième nain, top! Dormeur parce que... Parce que fait dodo. Quatrième nain, top! Pardon? Atchoum, et pourquoi? Parce qu'il y a un chat! Nain suivant. Oui, et pourquoi? Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, il faut reconnaître la chanson. Je recommence donc la chanson. Bon, allez, refrain. Grincheux, et pourquoi? Jamais content, Alain Souchon, bravo! Alors, attention, pour le nain suivant, il faut une certaine connaissance assidue du cinéma intellectuel français. Top! Allez, je vous aide, c'est un film français. Avec Pierre Richard. Pardon? Je suis timide, mais je me soigne, bravo! Bravo! Grosse culture cinématographique à Dunkerque. Alors, attention. Pour le dernier nain, question de rapidité. Top! Bah ouais, de toute façon, il en restait qu'un, j'aurais pu jouer n'importe quoi. Simple et... Bon, bref, Blanche-Neige cherche à se loger. Vous imaginez une coloc avec 7 gars, même petits.
il trouve un arrangement. Un beau jour, ouais, peut-être une nuit, je sais plus, la reine. Bon, elle se la pète un peu. Elle descend sa cave, elle en a son miroir. Au miroir, mon beau miroir. Et celui-ci lui répond. Ok, ma reine. Et bon, et puis surtout. Et surtout. Elle est toujours vivante. La reine. Furieuse, décide de faire le sale boulot elle-même. Et pour ce faire, de se déguiser en requin blanc. Mais non, je déconne, en mendiante. C'est votre petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma maman vous envoie. Ah non, vous êtes plantée, la vieille, c'est à côté. Alors, elle est un petit peu sourde, donc si jamais elle répond pas, vous tirez la bobinette et la chevillette, elle va tcher par terre. Qu'est-ce que c'est ? Sarah Connor. Non, c'est à côté. Je reviendrai. Quoi encore ? Et apporter des bonbons parce que les fleurs c'est périssant. Non mais attendez, des bonbons, n'importe quoi. Puis laissez passer, il y a une dame derrière vous. Bonjour madame, qu'est-ce que c'est? Des pommes. Enfin madame, mais c'est pas la saison. Mais mange la pomme. Non, mais puisque je vous dis que c'est pas la saison, mais mange la pomme. C'est même pas l'heure du goûter. Mais mange la pomme. J'ai pas hyper faim là. Mais mange la pomme. Non, mange la pomme. Non, mange. 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 Non. Pendant ce temps, à la taverne PMU du village voisin. Peut-être dû la buter. Mais mange, non, 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 mange, non. Décide de construire à Blanche-Neige un cercueil de verre afin que toutes les créatures de la forêt puissent venir admirer la morte.
le cadavre. Le Maccabée. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Vous l'avez tous reconnu sur son, sur son beau cheval blanc avec sa belle mèche blonde, parce qu'il le vaut bien. Heureusement, elle n'était pas dans un état de décomposition trop avancé. Et décide de donner un baiser pour réveiller la morte. Bon, et puis, vous connaissez la suite, hein. La mairie... la soirée, hein. Demi-tour, marche arrière, il entre les jambes, eh ouais, les cravates sur la tête, tomber la chemise, les tontons bourrés, voilà, tout ça vous connaissez, hein. Mais n'empêche que les mecs, à l'époque, ils savaient se marrer, eh ouais. Parce que ce que Disney ne nous dit pas, c'est que la reine, elle est invitée au mariage et condamnée à chausser des escarpins de fer rougis au feu et à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On m'a demandé de faire de la salsa. Ripa ! Du rock'n'roll. Motherfucker ! Fabien System est représenté par Lord Ware. Même du reggae. On m'a tellement tout demandé, tout n'importe quoi, que vous pouvez me demander ce que vous voulez, je peux vous le jouer. Allez, tiens, un chanteur, une chanteuse, le premier qui vient. Hein, Boogie Woogie, Boogie de... Ah ouais, Boogie Woogie. Le papa dit que l'acte d'amour
sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. Si bémol. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon cerveau. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me vois poser d'autres questions. Autre fois, c'est bon. Autre chose. Un chanteur, une chanteuse. Sardou. Sérieusement. Ah. Do. Hey, autre chose. Quoi? Red chose. Et quoi? T'as dit quoi toi? Mariano. Mariano et Red Charles. Mi bémol. On a chanté les Parisiennes. C'est pas Mariano, on fait ça. Si c'est Mariano. La 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 la. On devient fou. On sent des rythmes tropicaux. Mexico, Mexique. Mi. Baby, what I say? Baby, what I say? Non mais si je fais ça, ça va partir en cacahuète. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Non mais si on commence à attaquer le carnaval, ça va mal se passer. Non. Mais vous avez pas besoin de moi pour faire ça. Non. Non, je peux pas faire ça. Non mais j'ai un truc demain soir, hein, de ça, voilà. Et je vous connais, et vous savez que il m'est arrivé parfois de me balader dans les rues de Dunkerque à la bonne période. Allez, autre chose. Johnny, c'est ça. Mi, toute la musique là. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Et la musique vivra. Ah, et il y a un truc qu'on me demandait tout le temps quand je faisais du piano bar à Bredune. Vous connaissez Bredune? C'est très joli. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie. Le temps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait les grands hôtels, les grands restaurants, les piano-bars. Oh, les croisières, j'ai même fini à la télé. Jusqu'au jour où, à l'âge de 28 ans, le téléphone sonne. Mon petit Simon, c'est Patrick Dréan l'appareil. Vous connaissez Patrick Dréan? Je répète pour ceux qui ont oublié. Patrick Dréan, c'est le directeur des deux plus grands festivals de jazz au nord de Paris.
C'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur la programmation. Dis-moi, mon petit Simon, tu joues toujours du piano ? Eh bien, écoute, ça tombe bien. Je t'offre un récital en piano solo pour l'ouverture du Festival de la Côte d'Opale. Ah ouais, super. Et vous voulez que je vous joue quoi ? Du Johnny, du Ray Charles, du Carnaval de Dunkerque Non, tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. Baby, what I say. Elle a des grosses tototes. Mais qu'est-ce que je veux jouer ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'ouverture du Festival de la Côte d'Opale. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Patrick Dréan pour son invitation. Pour commencer ce récital, je vais vous interpréter une œuvre de ma composition. Un thème et variation sur une mélodie de la musique populo-dramatique du début du XXe siècle, chère à notre patrimoine français. Thème et variations en Do majeur de Simon Fache sur la mélodie de La grosse bite à Dudu. Thank you.
Ça lui a plu. J'en ai fait un spectacle. C'est grâce à ça qu'on est ici ensemble aujourd'hui à Dunkerque. Ce soir, en ce dimanche, c'était Pierre Calistologie avec l'orchestre d'harmonie de l'orchestre de la ville de Dunkerque, dirigé par Dino Pacico. Le problème, c'est qu'on n'a rien prévu. Mais vous savez, dans ces cas-là, je me dis toujours, qu'est-ce que MacGyver aurait fait ? Bon, c'est vrai, quand on est capable de construire une centrale nucléaire avec une cuillère à soupe et deux pots de yaourt, je me dis qu'avec 12 notes, une calculatrice et quelques bouts de chansons, on doit pouvoir faire un bis. Son président, son secrétaire, son trésorier, ses bénévoles et tous les gens qui tiennent le bar, surtout le bar. Au son aujourd'hui, c'était Paul Gourmet. Et à la lumière, celui qui a mis en scène ce spectacle, monsieur François Marzarski. Assisté de Antoine, de chez Spencer, merci à toute l'équipe d'accueil du Cursal. Et de chez Spencer aussi, à la régie générale et au plateau, celui qui nous sauve de toutes les situations, Gilles Haro. Ah bah oui. Le son, la lumière. Ah merci à toute l'équipe vidéo qui a fait la première partie aussi. Voilà. Eh, merci aux super-héros, c'est quand même pas rien. Oh. C'est quand même pas tous les jours qu'on a Batman. En même temps. Je dis pas que je suis pas Batman, je dis juste qu'on nous a jamais vus dans la même pièce en même temps. Ah si, et il y en a que j'ai pas remercié. C'est vous. Et pour ça, on va voir si vous êtes prêts. Elle voulait revoir sa mère.
à vous. Elle. Ouais, voilà, elle voulait plus te revoir, elle fond de son lit, hein. Elle. Ah. Ok, autre chose maintenant. Douce France, cher pays de mon enfance. Jusqu'à enfance, à vous. Douce France, cher pays. Encore une fois. Douce France, cher pays de mon enfance. Ok, autre chose. La mer. Claire, à vous. La mer qu'on traversait le long des golfes clairs. Plus fort. La mer qu'on traversait le long des golfes clairs. Très bien. Un petit peu de lumière dans le public, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. Surtout, d'une manière ou d'une autre, faites de la musique.